C'est toujours le cheval en priorité après le matériel, de façon à ce que le cheval soit dans son box pour se reposer, comme ils ont fait 5, 6, 7, 8, parfois 10 heures de camion. Donc de façon à ce qu'ils puissent être tranquilles, se reposer avant les compétitions. On accueille donc 120 chevaux, ce qui fait à peu près 80 camions qui vont arriver. Et avec les équipes de G11, en fait, on aide les grooms à descendre le matériel. On aide les grooms à garer les camions. On aide les grooms à ensuite aller à une zone de parking qui est à quelques 700 mètres d'ici, le long de la Seine. Les chevaux, c'est quand même des grands champions. Ils vont dans le monde entier, ils prennent l'avion régulièrement. Donc, ils sont plutôt habitués et pas tellement, ils n'ont pas tellement peur en fait, de ce qui leur arrive. C'est surtout nous, comme on est en plein centre de la ville, on veut vraiment que ça soit sécurisé. Donc, on essaie d'être rapide tout en étant efficace. On monte des écuries éphémères en plein Paris. Préparer pour quoi? Je vais aller la longer. C'est-à-dire? Expliquez-nous. La faire trotter un petit peu à la longe pour qu'elle se dégourdisse après le transport.